Je suis donc avec Francis Inglès, que tout le monde connaît ici, et qui revenait à Blaye pour espérer une victoire, Francis. Oui et non. Et ça s'est pas tout à fait passé comme tu le souhaitais, on peut dire. J'ai fait grimace à Francis. Non, mais alors bon, explique-nous. J'ai pris des risques, voilà. Je suis parti sur des bases de 33, de 34 jusqu'au semi. Et au 26-27e, les jambes ont pété, c'est tout simplement. Et puis après, ça a été un calvaire jusqu'à l'arrivée. Et j'ai fini à 10 km/h. Voilà. Ah ouais. Et j'ai fait le dernier kilo. C'est vraiment le mur. Hein. Le dernier kilo, j'ai dû le faire en 6 minutes. Après, voilà, je ne suis pas déçu. De toute façon, je savais que de toute façon, ça serait compliqué que ça passe. Donc, c'est pas grave. Hein. Bon, bah écoute, une prochaine fois. Hein, non, là, je vais me rentraîner très sérieusement, je pense, pour le marathon du Médoc, parce que je vais faire le marathon avec la boucherie. Alors, ça veut dire quoi, Francis, qui nous dit « je vais m'entraîner très sérieusement » Ça veut dire que tu vas faire moins de courses? Non, parce que depuis 2 mois, 3 mois, je m'investis plus du tout à l'entraînement. Alors, franchement, je m'entraîne, mais pas assez. Je fais rien à l'entraînement. Je fais pas de sorties longues. Donc là, je vais me rentraîner sérieusement pour avoir des bornes et pour revenir au niveau que j'avais avant. Au moins essayer. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Voilà. En tout cas, l'envie est revenue. Ouais, des fois ça vient et des fois ça repart. C'est bizarre, c'est comme ça. Ça fait tellement longtemps que je cours maintenant que c'est pas évident. Combien d'années? Ça fait 20 ans que je cours et j'ai commencé la course sur route en 2003 à peu près, 2002-2003. Avec combien de courses par an? Dis-nous un chiffre à peu près. Je sais pas exactement. 40, 50, plus? Je sais que j'en ai gagné plus de 500, donc je sais pas exactement combien de courses. Après voilà, je me fais plaisir aussi. Aujourd'hui, les 10 derniers kilomètres, je me suis pas fait plaisir, hein, ça c'est sûr. Mais c'est ce qui va te permettre de repartir. Oui. De toute façon, je vais vite me relever. Je sais que je peux courir vite sur marathon. Je sais que je peux faire 2:20 sur marathon. Donc, avec un bon entraînement, bien comme il faut, être sérieux. Mais bon, après, il faut être sérieux. Voilà, et ça, c'est pas évident. C'est un sport pas facile. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite le meilleur. Voilà.